Me forcez pas. J'ai certaines armes et je sais m'en servir. Ah, monsieur aurait-il un pitié, j'ai dit. Non, mais les chansons à la con, je connais. Bien, bien, bien. De la tech, donne de la tech. Construction niveau 3. Allez hop. Oui, ça c'est intéressant. Bon, j'ai quel âge? 14 ans. Est-ce que je peux me présenter au vassaux alors que je suis déjà leur suzerain? Ça marche pas comme ça. C'est pas évident. Voir est une chose, le faire est une autre. Attendez, 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 pause. Qu'est-ce que quoi? Le roi Ringo le Bourreau a hérité du duché d'Adrianov. Ah bah c'était mon... Bon bah... Je vais réinviter ma soeur à la cour, quoi. Mon allié est mort. Alors... Bah je m'en servais pas, mais enfin, par principe, quoi. Merde, Ringo le Bourreau, c'est l'ami de tennis, hein. Oh putain, et je deviens homosexuel, non mais vraiment... Bah c'est ça de pas avoir pris de fiancé trop avant. Qu'est-ce qui se passe si j'attaque le tributaire de mon tributaire? Ton tributaire risque de rentrer en guerre, mais c'est pas dit. Oui, mais contre qui? Trop difficile, hein, tu sais. On est vendredi soir 21h. On peut abuser, monsieur. Non, on fait des efforts, quoi. Bon, encore 2 ans, quoi. Ah, c'est rien, 2 ans. C'est pas comme si t'en avais eu 16 à faire. J'ai l'impression que ça sent le vécu. Il peut, si peu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, monsieur? Au moment, vous serez désobligeant. Ça, je suis à 5 sur 30, putain, c'est lourd. 5 sur 30 de quoi? Du territoire du Nouveau Royaume. Ah. Tout se passe bien, en réalité. Oui, j'aurais peut-être les trucs. Après, par contre, il va falloir que je fasse des guerres de tributaires pour gagner du prestige, parce que je peux plus faire une guerre qui est liée au prestige. Mais sinon, dans l'ensemble, oui. C'est pas si pire, quoi. Mais bon, faut que mon prestige remonte parce que sinon c'est mes vassaux qui m'aiment pas. C'est un peu chiant. Mais bon, c'est vrai que je viens de siéger 5 territoires, 6 territoires, ouais. Donc avec autant de risques de révolte parce que j'ai siégé. Ça devient vite plus compliqué, quoi. Quand ça siège, mon frère, ça m'embête un peu plus. Ah, je suis entêté en plus. Oh, génial. J'aime la vie.
84% de mon pack défensif, pourquoi vous rejoignez l'IA? On va le rejoindre éventuellement, ce pacte défensif. Je sais pas si on rejoint pas automatiquement en fait. Faut le rejoindre et c'est ça qui est chiant. À chaque changement de personnage, faut le rejoindre à nouveau. C'est bon, j'étais à plus de 90 tout à l'heure. Je vais pas me plaindre. Regarde un peu jusqu'où va ton pacte, enfin te rejoindre le pacte défensif contre toi. Je veux bien, mais la carte est un peu buggée. Hein? Bon, que des hérissons sur les cartes des packs défensifs. Ah bah, peut-être à force d'attaquer à côté de chez les hérissons, c'est pas possible. Bah, le problème, c'est que j'attaque pas à côté des hérissons. Oui, mais t'es voisin, donc en fait, ça se répand. C'est pas ma faute si mes vassaux, que j'ai gentiment invité à se faire vassaliser. Une horde ours qui essaie de piller mon territoire en Italie. Ça t'appelait ? Hein ? C'est un peu loin l'Italie quand même. C'est un peu loin l'Italie. Dit-il quoi. Franchement. Dragon Suminusco. On a tout vu. Suminusco ou bon, bah lui, c'est pas celui qui me déteste le plus. J'ai 15 ans! Félicitations. Ouais, comment t'as fait pour survivre? Ça va. Ah, il faut aller arriver jusqu'à 16, il me semble, non? Oui. Alors, démarrer un complot. Il faut 1000 balles. Pour augmenter le niveau de ma merveille. C'est beaucoup, non? Oui. À coup de pillage, ça se va. Hein. Surtout si je vais piller dans ta capitale. Ouais, parce que je peux pas parce que je suis pas suicidaire. Si t'arrives à piller des bons territoires, ça peut le faire. Mais... Les piller, quoi. J'ai 15 ans et je suis bien content. Ouais. Comme ça. Je suis assis sur un banc. Ouais, ça marche aussi. Il a quoi? Il a 500 fous. Il a mérité de se faire taper alors. Proposer vassalisation. Oui, ah, voilà un gars qui est tout à fait respectable. Une bonne personne. Ça y est, enfin. Enfin, il y arrive. Il accepte de se faire vassaliser. Ça m'évite de lui faire la guerre. Ouais, ça c'est vrai que c'est pratique, hein. Ça a une certaine praticité, oui. Voir une praticité certaine. Et certains inconvénients. Ah ouais, par moment, il arrive. Ouais, bah c'est à cause de ça que j'ai eu un pack défensif à 90%. Non, c'est mes contemporains, Benoben. C'est pas mes contemporains, mais pas contemporains. C'est pas tout à fait la même chose.
qu'un maître espion. Pourquoi il me déteste, lui? Je veux un siège au conseil, moins 40% grand chef de Kiev. Si encore t'étais efficace, je dirais pourquoi pas, mais t'as intérêt d'être efficace. Bon, le... Ah, si. Ah, mais il a un prince, quoi. C'est plus d'amour, plus de plaisir, de désir. Ouais. Ça, jusqu'à... C'est la civilisation, ils veulent pas, je comprends pas. Bon, faut que j'arrive à... Ils ont 5 embryons. J'arrive à défoncer le duc de Kiev, quoi. Mais c'est un peu mon maître espion pour l'instant. C'est peut-être pas la meilleure idée. Là, tout de suite. Je suppose que c'est pas la bonne idée, là, tout de suite. Non mais le chat, je suis sûr qu'il l'a même pas vu en fait, hein, donc c'est certain qu'il l'a pas vu. La succession, par quoi imagines-tu? Régner au moins 10 ans, ça va être compliqué. C'est la base, non? Oui, oui, oui. Genre irritant. Putain, mais j'ai que ça. Pourquoi vous voulez que je me cache? Il y en a un qui essaie de m'assassiner. Ah oui, d'accord. J'ai ma sœur qui essaye de m'assassiner. Ouais, c'est beau, la famille. Je n'ai pas aperçu plus tôt. Bah non, il vient de me l'annoncer à l'instant, donc... Mais elle vient de quitter le complot en question, donc c'est très bien. Par contre, je vais devoir acheter la famille. Oui, oui, comme tu dis, la famille, oui. Mais c'est pas le truc des ours, c'est ça? Guerrier mal avisé, d'accord, ok, mais c'était... Je sens que je suis encore... J'ai récupéré le bref au cognier. Moi, je viens de voir une notification que quoi tu joues à Crusader King, juste comme ça. Ah oui, mais t'es peut-être un petit peu en retard. Ouais, un petit peu. Les hérissons de Grenade n'apprécient guère les récents pillages. Oh, c'est qu'elle est mimi, celle-là. Tu parles de qui? Je viens de trouver une petite génie Harrison. Bon, elle est issue d'une horde, mais... Mais on s'en fout. Bon, par contre, ça veut dire pas de mariage avec la rue tennis, ça c'est un peu plus chiant, mais... Lui, il a 8 d'assassinat. J'ai 3, moi. Oh, purée, je peux même pas virer mon frère. De nouveau Rodrek. Ou alors, faudrait que j'arrive à le faire tuer pendant un combat. Compliqué. De quoi faire le bâtiment? Oui, on a. Normalement, sur le principe, oui. Sauf que, en fait. Enfin, même si j'ai l'argent, je peux pas. Donc je peux pas faire la maison des hérissons parce qu'il faudrait le laboratoire de terraformation, sauf que pour l'avoir, il faut que j'aille faire la guerre. Jusqu'en Afrique. Jusqu'en Afrique. Ouais, il faut 585, mais... Ah ben non, mon physicien de Goncourt est encore mort. Et que le physicien. Mais je pense qu'on va aller chercher l'administration tardive. J'ai une personne, il faut que j'achète deux personnes. Donc, ah, salut Maro, comment ça va? Bonsoir toi Maro.
Salut Maro. Acheter une faveur. Oui, donc oui, c'est pour 74 balles. Et acheter une faveur, oui. Sauf que si j'en achète deux, j'ai pas assez. Deux, ça va. Je peux peut-être acheter ce qu'il faut en faveur. Hein. Bon ben mon pire commandant est passé avant. Ça va bien, merci. J'ai des vassaux qui ont des opinions négatives de moi depuis quand? Ils existent? Ah oui, pas mal. Si je conseille Vladimir Volinsky, pourquoi lui se sentirait puissant? Parce qu'il n'est pas faible. Oui, bah c'est surtout que je pense que le vassalage, ça va être vu, Vladimir Volinsky là. Ouais, c'est plus un vassal qui me fout le bordel. On va régler ça tout de suite. Et je vais lui mettre Lutsk aussi. Mais non, mais lui-même. Comment ça, j'ai une révolte? La réponse est non. Ça va bien, Maro, je sais plus si j'avais répondu à ta question, désolé. Bon, par contre, on n'a toujours pas la revendication. Si mauvais que ça, ce compte-là. Juste pour avoir une revendication sur Damiette, quoi. Bon, par contre, ma fiancée, elle a 8 ans, quoi. Genre, 8 ans à attendre avant de me marier et d'avoir des gosses. Je vais peut-être pas assassiner mes fleurs tout de suite, en fait. Mmh. Heureusement que t'as pas de problème de taille de... De taille de taille de famille. Oui. On est d'accord. Hop. Bon, par contre, il faudra que j'aille plier mes voisins. J'ai tous les trucs à plier. Quoi. Putain, maximum. Ouais, c'est pas fameux, hein. Je peux augmenter, ouais. Enfin, j'ai tellement ce malus de pas pouvoir construire parce qu'il me manque. Je peux pas faire le poste de taxe du château qui m'intéresserait fortement, mais. Ah. J'ai hérité d'une baronnie. Les maisons de l'élection utilisent. C'est vraiment ça. Je te lance ça et puis je donne ça à quelqu'un. Voilà. Mettez pas. Qui veut aller en tôle encore? Pourquoi je peux pas? Ah mais je pense qu'en fait il y a un bug pour les hérissons, parce qu'en fait comme on a créé un monde hérisson etc, j'ai pas créé le truc de hérisson spécifique et à mon avis ça fout le bordel. Je
pense qu'il doit y avoir un truc comme ça. Donc en fait, ouais, j'ai un sacré handicap, quoi. Je peux pas développer mes territoires, je suis obligé de rester avec des bâtiments de faible niveau. Ouf. C'est très costaud. J'ai un qui a bien voulu marier ma sœur. Un Kagan de Ko. Il est où lui? Putain, il y a tellement de Kagan de partout. Ok. J'aime bien, je gagne un prestige de fou grâce aux rébellions. Enfin, de fou, je suis avec 4 ans de prestige, hein, mais... Non, mais c'est toujours ça de prix, hein, écoute. En profiter, hein. Ah bah clairement. Hein. La petite pause. J'ai une gestion de domaine à faire. J'ai un ours qui essaye d'attaquer l'autre qui a 100k de pognon. Il a 500k de pognon et 1700 troupes. Juste elle, parce qu'elle s'ennuyait un petit peu. Elle a juste gardé ses armées, je pense qu'elle peut quand même lui défoncer sa gueule. 500k de pognon versus quelqu'un qui en a 1000 123 000. Elle a 123k de pognon et celui qui attaque, il a juste 500 pognon. Quoi. Ah oui, 500, pas 500k. Il va pas aller loin, hein. Oui. Je m'ennuie un peu, et si je tentais de faire une guerre? Malgré mon pack défensif qui est assez énorme. Je vais mettre mon vassal ours qui m'aime pas. Je vais mettre mes vassaux qui m'aime pas en tête d'armée. Ça devrait le faire. Battez-vous pour moi. Mon escorte est totalement remplie. Ah, il est devenu... Mais d'accord, le duc de Périaslav. Mais il est bon à quoi, lui? À part à rien. Ah, parce qu'avant, à un moment, faut un minimum syndical, quoi. Faut être... Bon, ma prise du royaume de Radicia se passe pas trop mal. Radimichia se passe pas trop mal. What? Encore 2 ans et j'aurais régné 10 ans et je pourrais normalement aller chercher la primogéniture. Ouais, juste... Bien le normalement. Ouais, parce qu'il faut que mes vassaux m'aiment, alors... J'ai un peu beaucoup de vassaux quand même. Pourquoi t'es pas allé chercher un début de partie aussi? Parce qu'il fallait que j'arrive à monter directement. Enfin, déjà que je passe duc pour pouvoir aller chercher un petit peu l'autorité de la couronne absolue en termes de tribal. Puis après, il fallait que j'aille chercher un petit peu la légitimité à 3. Donc ça a pris un peu de temps.
Donc entre-temps, bah, plutôt que me tourner les pouces, j'ai fait quelques conquêtes, quoi. Bon, après, si j'ai 2000 de Oui. prestige, j'aurai déjà tous les bonus de qui sont liés au prestige. Un petit plus 20 des familles, là. Maintenant, je peux augmenter la majesté, la coutume noble, je peux partir. J'ai des hérissons qui partent à l'autre bout du monde pour faire leur guerre. J'aime le principe, quoi. Prendre 1000 de prestige pour faire pour convertir des provinces à la culture. Peut-être un peu trop, je crois. Ah non, parce que 1000 de prestige, tu les as assez vite quand tu commences à avoir un gros empire, etc. C'est plus trop un problème. Ça évite les abus, c'est pas si mal. Le royaume d'Aquitaine qui va s'agrandir parce qu'il est en train d'intégrer de jure des duchés. Pourquoi le duché de Bretagne ne rentre pas de jure dans le royaume d'Aquitaine? Aucune idée. Est-ce qu'il y a des comtés qui appartiennent à notre royaume? Ah non, pourtant. Tu l'as acquis il y a peu? Oui. Ah, c'est peut-être pour ça, il faut peut-être attendre 1 ou 2 ans avant que le truc se mette en place. Ah, j'ai pas forcément les duchés, j'ai les. Non, mais il J'ai faut le avoir royaume. tes comtés, c'est pas le souci. En fait, si tu veux, c'est il faut avoir le comté, c'est bon, mais. Il y a le duc de Serae qui a des territoires. En plein milieu de. Ah, c'est ça, c'est en plein milieu de l'Autriche. Enfin, Autriche, Hongrie. N'importe quoi, hein, très bien. Duché de Transylvanie, félicitations. Il se met bien, hein, le roi de Munteni, hein. Franchement. Ah oui, c'est une très belle Munteni, hein. C'est pas le plus mal loti, quoi. C'est pas le plus manchot d'ailleurs, ils sont. J'ai 79 trucs créés par événement. Ouais, j'ai gagné ma guerre contre le. Contre la coalition, génial. Félicitations. T'as eu de la chance que je la quitte tout à l'heure parce que sinon je suis obligé de la rejoindre. Non, mais j'ai gagné la guerre parce que mon adversaire avait qu'un seul contre et que j'ai pu l'assiéger à temps. Oui, mais j'ai quitté entre-temps la coalition, je suis rentré, j'ai quitté, mais t'as même pas vu. Après, ça veut pas pour autant dire que je serais venu dans la guerre parce que enfin, j'ai d'autres chats à fouetter, mais. Mais dans l'esprit. Je pense que t'auras pas eu le temps d'intervenir. Possible. Ah non, je vais peut-être pas trop faire de. Quelle générosité! Bah oui, je suis généreux de nature. Bon, je t'avoue que j'ai envie d'assassiner toute la famille de Nounours là. Donc c'est pas la mienne famille, ça ira. Bah, le truc, c'est pas dit que j'hérite de son titre, c'est ça qui m'embête un peu plus. Mais c'est vrai que les ours ont la fâcheuse habitude de faire beaucoup de gamins, ce qui est un peu chiant. Parce qu'ils sont 10 membres vivants. Alors. Je crois que c'est pas trop leur choix aussi. Il y a déjà du monde, même dans la famille, qui veut l'assassiner, donc. Dans sa famille, donc tout va bien. Ah, plus je la regarde, elle, plus c'est impressionnant. Chaque fois que je regarde, elle passe à 126K, quoi. C'est bon, maintenant. Arrêtez de prendre du pognon, quoi. Dégoûtez pas les gens qui en ont pas.
Le pognon, c'est quoi ça? Il y a une revendication là-dessus. Ça, ça m'arrange. Hein. Il va m'apprécier. Et je lui donne un petit titre. Voilà. Ah oui, d'accord. Se faire chier, hein, une attaque de vassaux, je m'en fous quoi. Maître espion. Chef de Roslap, ouais, allez, tu vas me dire, mec. Allez, on travaille. Ce que j'aime bien, c'est que l'autre, en fait, celui que je suis en train d'attaquer, il est en train de se faire toutes les escortes de mes vassaux. Mais ils siègent même pas leur territoire, donc en fait ils cassent même pas leur leur fort. Ils perdent juste des troupes. Bah c'est surtout que moi ça me laisse le temps de piller sa tribu bien, bien tranquillement. Et ça devrait faire plaisir en plus à... au duc qui est pas content, donc je devrais pouvoir passer en primogéniture grâce à ça. J'aime le principe. Ah, cette fois-ci, c'était juste comme ça qu'il ralentissait. Tu n'aimes pas. Je sais pas si je t'assure. Il y a vraiment... Ouais, je vois ça, t'es pas très... Pas très, quoi, hein. Revendication de Novgorod Severinsky, c'est où ça? Ah mais c'est celui que je suis en train de taper. Siège du fort de Briansk. Oui c'est bien, mais je suis déjà en train de siéger tes... D'accord, déjà 100%. Ok. Pourquoi il y en a qui veulent me tuer? Donnez-moi une explication rationnelle. Ma sœur. C'est pas beau. Mais elle m'en veut vraiment, en fait. Elle est enceinte, elle est à l'autre bout du monde, mais elle veut m'assassiner quand même. Bon, elle est toute seule dans son délire, mais... C'est déjà pas mal. C'est déjà trop, quoi, on est d'accord, mais... J'ai un ours qui part en guerre du côté de Poznan, à la frontière de l'Hongrie. Dans le royaume de Poméranie. J'aime bien moi le territoire de Tchernigov, qui est entouré juste par le royaume de Kiev. Et pareil pour le petit comté de Lubetch. Non, mais les gars, vous inquiétez pas, on va pas vous attaquer, on est gentils, nous, on est sympas. T'es sûr que t'es un ange? Oui. Je suis pacifiste. C'est mis sur ma carte de culturelle. Ouais. C'est pas pour ça que tu es jamais en guerre. C'est pas moi, c'est mon vassal qui avait une revendication sur un territoire, je lui l'ai donné. J'ai été généreux envers un de mes vassaux. Je vois pas. J'ai toujours un ours qui me déteste. Et quand tu veux pour la vitesse 2. Ah, oui. Alors pourquoi? Attends, j'essaie d'aller voir mes vassaux. Pourquoi je peux pas voir ceux qui sont négatifs avec moi quand j'essaie d'aller sur les opinions? C'est un problème ça.
y en a qui ont quelques revendications, enfin, qui sont pas contents parce que je les ai un peu défait et déclaration de guerre, mais C'est quoi que j'ai tapé juste comme ça, ton escorte? Non, du tout. Mon escorte, elle est bien au chaud. Vous êtes en guerre un contre l'autre? Non, juste du pillage. Une petite revanche. De toute façon, je crois pas que je vais déclarer d'autres guerres. Bizarrement. De... On voit où la menace déjà? On la voit pas, je crois. Il me semblait qu'on la voyait, la menace qui a été notée. Mais attends, oui, il faut que j'aille dans les cartes de pack défensif, peut-être. Menace 70%. Ah. Oula, il y a une rébellion chez toi. Ouais, des idiots qui veulent le partage salique. Ah, oui, c'est des idiots, oui. Dommage qu'on puisse pas leur envoyer des sous. Si, tu peux. Ah bon? Bah en fait, ah, tu vas voir l'IA et tu fais envoyer un don, quoi. Effectivement, ouais, mais c'est pas pareil. Ah bah tu peux pas choisir la somme que tu lui envoies, mais tu peux... Non, et puis il est pas super puissant, quoi. Il a quoi? Il a 5000 troupes. Après, s'il y en a 7000. Ah. Non plus, Il y en a 7000? Toi, t'en as 7000? C'est sûr que t'oublies pas un petit détail? Avec 7400 troupes pour toi. Même avec les escortes. Je sais pas, genre mes tributaires. Bah, ils sont pas notés dedans, donc moi je vois que t'as 7000 troupes. Après, je vois pas. Pas tes tributaires, quoi. Ils sont pas. C'est ça, c'est con d'ailleurs, parce qu'ils le notent pas. Mais bon, moi, qu'est-ce que je voulais faire? Si, je sais, mais succession, progéniture. De rang compte ou supérieur d'un opinion négative envers vous. Et alors, le problème, c'est quoi la règle? Bah, il est où le nounours que je suis censé assassiner? Ah, si. Ouais, 800 troupes qui veulent me rejoindre dans ma guerre civile. Ça, j'ai un duc qui s'est formé à ma frontière là. Qui c'est ce con? Ouais, mais alors, je vais pas l'attaquer parce que c'est pas le moment. 4. Faut que j'attende que. Le couronne s'enlève, ou alors il faut que j'aille partir sur Coutume Noble. Je sais pas du tout ce qu'il faut, quoi. Ah, cavalerie maintenant. Si, cavalerie déjà, j'ai. Ma sœur. Ouais, vas-y, embarque là. Un ours qui a comme héritier un œuf. Ah, j'adore le principe. Ouais, et il est marié comme à une ours, hein, donc. Je ah oui, non. C'est. Les gènes. La Munteni, c'était de hérisson. Hein. Je veux dire, c'était mon héritier, bordel. Ouais, elle se marie régulièrement avec des oursins, hein, quand même. J'en suis toujours pas remis. Ah, bah oui, mais bon. Pas cliquer non plus.
J'avais pas cliqué, il y a des sites Apple. Bah si t'as cliqué pour dire, il te demandait si vous voulez partir et tout, t'avais pas dit oui. Ouais. Qui toi là? Moi je suis bientôt à 800 de prestige. Mais c'est pas ma faute, ouais. On l'entend. On l'entend souvent dans cette partie. Quoi. Bon, par contre, quelqu'un voudrait tuer cet ours ou. J'ai un complot à 122%, ça serait bien quand même d'aller l'assassiner, non? Un moment. Hello. Merde, c'est croisé. C'est la vraie l'idée, est-ce que je vais chercher un forgeron? Ouais, non, mais je vais pas chercher un forgeron tout de suite, ça sert à rien. D'ailleurs, bah, je t'ai donné une brigandine, hein. Oui, oui, oui. Commence pas, un forgeron ne sert à rien. On n'assassine pas les gentils oursons, mais je vois pas pourquoi. Et qui a dit à ce mur ne sert à rien? J'ai pas entendu ça. Je l'ai pas lu non plus, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Le problème, c'est qu'il faut que j'attende un peu 92 pour être sûr que le mât des fées et Courraigne ne soient plus là, et que les déclarations de guerre sautent. Mais ce prestige, j'ai le plus 4 qui va bien. Après j'ai peut-être essayé de me faire quelques... T'as quoi comme armée? 1300 troupes. 500 troupes et t'as 1000 balles. Si t'as 1000 balles, déclarer la guerre pour extorquer un tribut. Pourquoi le conseil il veut pas? Mais c'est que des chercheurs de gloire dans mon conseil. Idée de nommer des chercheurs de gloire au conseil. Ça me dérange pas. Après, j'ai 700 troupes de vassaux que je pourrais lever. Et bon. Ils ont tendance à pas aimer le principe. Et voilà, à un moment, il faut que je mette de mes vassaux quoi. Et si on assassine les gentils oursons, mon cher Falseag, parce que c'est celui qui m'empêche de passer en primogéniture. Il aime pas ses voisins. C'est pas un voisin, c'est mon vassal. Donc... Nous, on n'est pas des oursons. T'es majeur. Non. J'ai pas 33 ans. Donc voilà, donc t'es pas un ourson. Non mais au moins les autres ils veulent être chercheurs de gloire, moi je veux bien, mais... Je viens d'attaquer des gens dehors de mon royaume, pour enfin des royaumes que je veux, pour pouvoir... Pourquoi il tue de Sarkel? Alors qu'il a qu'un seul comté, qu'est-ce qui est arrivé? Juste gagner 250 de prestige pour gagner au moins un point de plus de les gens même quoi.
moins 3000 ennemis sur la bataille. Ah, ça, ça fait. Ouais. Ça fait ça pique, quoi. 1891, putain, 2 ans. Mois de décembre. Ah, ça pique moins quand c'est l'adversaire, en fait. Votre vassal, le chef. Spécialiste de siège, mais... C'est mon tributaire. Bon, lui, il a une fille ou pas? Non, il a qu'un fils. Bon alors, qu'est-ce qu'ils disent mes vassaux? Le coup avec moins 3, ça fait mal. Ah, j'ai le coup de tumeur, pas ce que tu en as que je peux monter. 66%, ça me fait mal. Quoi. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Guerre de revendication de Béreg. Oh, ils essayent de prendre Béreg. Ah, ils vont peut-être réussir. J'ai mon territoire qui mes ducs qui commencent à faire la guerre. Ça me va limite droit au cœur, mais je pense que ça va pas forcément se bien se passer pour lui. Donc il arrive à faire tomber le Béreg avant que la troupe arrive. À mon avis, ça va pas bien se passer pour ses armées. Même 600 troupes en défense contre 1900, je... Ouais. Les ducs qui perdent des guerres, c'est pas les meilleurs trucs. Hein. Il avait 1000 balles, il va donner 1000 balles, quoi. Bon, par contre, j'aimerais bien que l'assassinat se lance, quoi. Ça a beau être... un ours qui tient mes armées, merde, quoi. Ou alors d'avoir une revendication sur Damiette. Quelque chose, quoi. Puisse partir en guerre là-bas au fond. Ah, ça veut dire qu'il me faut des bateaux. J'ai 5 bateaux. C'est peut-être courageux. C'est léger. J'ai envie de dire que c'est léger. Ça fait 500 troupes pour attaquer quelqu'un qui a juste. Ouais, 462 troupes. C'est juste. C'est limite. C'est limite. Jouer. Essayez d'y croire. Jouer. Selon quelles règles, je sais pas, mais jouer. C'est pas un malentendu. Apparemment, un malentendu, quoi. Enfin, trop fort, rien. Bon, si la fièvre des camps voulait bien se barrer. Chier de récupérer Kiev. Enfin, je veux récupérer Kiev maintenant, tout de suite, maintenant, là. Est-ce 4 mondes vivants en 11 ans, ça peut mourir facilement, non? Mais non, mais je veux tuer Nounours, moi. Allez, au Nounours temps, il n'y a personne qui veut l'assassiner? Non, pas trop. Le Nounours temps est un pays stable. C'est où nous sommes? Pas sûr de connaître.
Ah, il y a plusieurs nounours-temps, tu vois, il y a Capoue, il y a Dauphiné, il y a Aquitaine, il y a Hongrie. Il y a plusieurs nounours-temps. Ah, je suis mouru. Ah. C'est une chose qui arrive. C'est embêtant, mais bon, ça va, j'ai 15 ans, ça devrait le faire. Alors, on refait le conseil. On commence par un bon intendant, un bon chancelier, un bon maréchal à 24, un bon maître espion à 22 qui va repartir à Constantinople. Et si j'ai essayé de tuer juste comme ça? Non. Amuse-toi à ça. Alors, une seule règle, on n'a pas le droit de tuer l'héritier. Sauf s'il demande express, voilà. Pour éviter justement que la partie se termine avec quelqu'un qui soit mort, avec toute sa famille morte, quoi. Donc oui, vous pouvez après vous tuer entre vous, vos autres, ça c'est pas un problème, ça vous débrouillez, mais... Ah, parce que je vois 365% complot possible, je me dis ok. Ouais, mais c'est parce que c'est un enfant, non? C'est oui. Ça. En même temps, tu choisis toujours des enfants, quoi. Enfin... Comme héritier, désolé. Tu pourrais choisir des adultes. Enfin, il y en a qui font des efforts, pas toi, quoi. Ah, ça va, il a 15 ans. Ah, oh, mais c'est pas d'adulte. Il y a encore moins d'enfants. Oui, mais toi, t'es la traîne. Non. Ah, je sais, mon jeu vient de freeze. Bravo. Ah, c'est bon. C'est bon. Reparti. Non, en fait, j'ai vraiment besoin d'assassiner l'ours, parce que je peux pas lui révoquer son titre. Allez, plus avant dans ma revendication. Oh, c'est cool, ça! J'ai ma revendication sur nulle part. Attention. Maintenant, faut que j'arrive à emmener 500 troupes là-bas. Ah, bien sûr. Moi, j'en profite pour améliorer mes hôpitaux, là. Mais dans une guerre de pillage, donc... Déclarer la guerre. Est-ce que je peux envoyer plus de choses comme ça? Ah, il est mort! Enfin une bonne nouvelle. Attention. Bon, alors maintenant il faut assassiner tout le reste de la famille. Alors, qui c'est qui fait chier? J'ai 139% de possible. Membres vivants, on va peut-être pas faire un ménage avec 12 membres vivants. Ça après, y est, j'arrive à faire des assassinats avec 3 d'intrigue, hein, quand même. Donc, on va te la prouesse. GG. Félicitations. Il est où le Classy Pro là? Ah, ouais, c'est ça, ouais. J'avoue que les gens se posent la question. Parce que le gars, c'est pas discret du tout, mais il arrive à faire des assassinats et pas se faire repérer. C'est surtout ça. C'est pas se faire repérer. Pourquoi pas qu'il y a tout l'inverse de moi qui est 14. Par curiosité, j'ai tué combien? 48 personnes. Mais quel monstre. Je sais pas combien vous en voyez, vous. Sur 3. Tac, tac, tac. 46. Oh, il y en a que deux que j'ai... pour lesquels j'ai pas été trouvé. Ah, bravo. Attends, t'as dit, il va pas mettre tes grosses pattes d'ours n'importe où, n'importe comment. Ça y est pas, hein. Ah bah ça, c'est clair. Ce que j'aime bien, c'est que je peux revendiquer le titre de l'autre. Aïe, parfait. Sauf que comme j'ai pas le droit de...
Hop. Ah, révocation des titres opposant à des 6 partisans. Orange. Ouais, faut pas que je fasse ça. Faut vraiment que je lève des bateaux et que j'y aille avec des bateaux, je vais pas avoir le choix. Parce qu'en fait, si j'y vais à pied, le temps que je traverse tout, je suis pas bien. Et il a combien de troupes? 489. Dans 5 bateaux, je peux y aller normalement, mais. Je sais pas vraiment que tu me nommes. Comment ça, j'ai aucune ambition valide à choisir? Genre, préparer la succession, j'ai pas le droit. Bah, t'es pas majeur? Si, ça y est. J'ai dit que j'étais pas loin, hein. Ah bah voilà, d'accord, c'est parce que j'étais en réclusion à cause de la... de la pandémie qui sévissait. Alors on a augmenté l'hôpital de Guyenne, c'est cool, on va continuer à augmenter. Vous avez juste le temps de... de revenir. Si j'arrive à faire cette guerre là, mais il faudra quand même des bateaux. Il faudra tellement de bateaux. Votre frère est mort de mauvaise santé. Mary. Ah bah j'ai récupéré le comté que je voulais récupérer, c'est pratique. Merci. Ah oui d'accord. Et l'autre est en train de siéger ma capitale, l'air de rien. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ça peut faire ça. Ça va, j'ai mes retenues qui pourront s'occuper de lui. Faut juste que ouais, je fasse des allers-retours pour envoyer vite. Une par une pour aller prendre le territoire. Enfin, pour pouvoir siéger son territoire. Tellement pas aimé l'autre. Ah, j'aime bien le principe. Alors, est-ce que je pourrais avoir les bateaux? Ça, est-ce que je peux m'en foutre? Il faut juste 300 troupes et je peux siéger sa capitale. Est-ce que je pourrais siéger en dessous par contre? Ça c'est autre chose. Il faut 1000 et quelques personnes. C'est vraiment cool. Oh, pardon. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut mettre un ours là au-dessus? Ouais, tu touches pas à mon fort. Votre connaissance est morte d'anxiété morbide. Ah, c'était la femme du roi de Munteni. D'accord. C'est une chose qui arrive. Alors, il s'en fout un peu, il a un héritier, mais...
la traversée d'océan qui est super longue. Oh, j'aime le principe. Organisation militaire, pénalité d'avance. Peut-être aller chercher ça. Ah, si on vous avait dit un jour que le royaume de Kiev attaquerait le royaume d'Alexandrie, vous n'aurez jamais cru. Hein. Oh, c'est dans Crusader Kings, tout est possible. J'ai envie de dire. Attaquer le royaume d'Alexandrie, pourquoi faire pour aller prendre le comté qu'il faut que je mette de la bonne culture et de la bonne religion. Pour pouvoir faire le bâtiment. Parce que je vais voir si ça débloque le fait que après. Sinon après en fait je suis bloqué. Je peux monter ma tour animale, ça c'est pas le problème. Et je peux pas construire les bâtiments qui me permettent de récupérer de l'argent, de récupérer des armées, de récupérer des technologies, etc. Je suis bloqué avec les bâtiments de technologie de niveau 2. Tous les dirigeants de l'Islande sont théocrates. On aura peut-être le premier grand saint royaume, quoi.